Allez, on y fait la guerre. Vous êtes prêts? Non, j'appelle pas les alliés. Bon, alors en réalité, je vais rien prendre du tout puisque je vais le vassaliser, mais. Ah, la Crimée, elle est venue, là, en revanche. Lol, la blague. Bah, du coup, je vais appeler la Pologne. Hein. Du coup, j'appelle la Pologne, clairement. Ah, d'ailleurs, c'est la Crimée qui contrôle la guerre. Oh, la blague! La blague! The big joke ever. Ah, la blague! C'est la Crimée qui contrôle la guerre. Bon bah je laisse la Lituanie s'en charger. Hein. Alors, si tiens moi ce que je vais faire, c'est je vais me faire ça. Pas besoin d'amiral. Hein. Venise m'a insulté. J'avoue que je m'en moque un petit peu. Je surveille un petit peu mes relations hein, quand même, mais bon. Moins 119 avec eux, moins 26 avec la Hongrie. À la limite, la Hongrie, je vais peut-être monter un petit peu mes relations. Je vais monter mes relations avec la Hongrie et avec l'Autriche. Voilà, vous savez quoi. Ça, je prends pas trop de risques. Alors, j'ai du mal parce que. Mais. J'ai du mal pour la simple et unique raison que mes régiments sont pas complets. C'est ce qui explique cela. De toute façon, la Crimée, ils vont se faire éclater par la Lituanie, la Pologne. D'ailleurs, je vais céder des territoires à la Pologne, je pense que ça leur fera plaisir. Oui, on peut le rembourser. Temps pour falsifier les revendications, moins 50%, ça c'est pas mal. Ça c'est très très bien aussi, repeuplement des campagnes. J'hésite à le prendre là, le truc c'est que c'est un machin diplomatique. Quoi, le premier. Ouais, le prochain niveau diplomatique est pas capital. Ouais, vas-y, je vais le faire. Ah oui, mais mince, j'ai pas eu ça du coup quand même. Bon, c'est pas grave. Alors je sais que j'aurais peut-être pas dû dépenser ma puissance. Ça va, je suis à plus 7 par mois, donc je pense que pour la paix ce sera bon. Je vais laisser la Pologne s'amuser avec la Crimée. Ils sont beaucoup trop importants et ils risqueraient d'être dangereux à moyen terme. Donc eux c'est pareil, j'ai plus envie qu'ils existent. Alors attendez, en bas je peux pas faire le siège. Bon, vous savez quoi, j'irai le faire après. N'importe. Allez, les pierres, c'est bientôt converti. La Crimée, on va les faire tomber plus vite. On va faire ça. Sérieux? La blague. Je peux pas les soutenir. Je vais voir si je peux pas soutenir les rebelles, les paysans autant. Bon, je pense pas, mais bon. J'essaye quand même. J'essaierai quand même. Expiration du casus belli contre Venise. Ouais, c'est dommage, mais bon, je pourrais pas en profiter. Ankara, c'est gagné.
Ah, je vais pas pouvoir vassaliser l'Ottoman ni l'annexer en fait. Ça, c'est vraiment problématique. Comme la Crimée est garante, je pourrais pas l'annexer en fait. Je pourrais juste lui prendre un territoire. Alors, autant dire que ça m'intéresse pas du coup. Ça m'intéresse pas trop. Donc je me demande si la priorité ça va pas être de... Ah, si je peux les soutenir. Hein. Mais bon, c'est juste que ça va être mes potes quoi. Ouais, j'ai pas trop envie de les soutenir. Surtout que j'ai pas énormément d'argent. On va leur tomber dessus juste après et puis voilà. Je pense que ça suffira contre des paysans moisis. Ah, ils ont fait le siège du Zeta, peu importe. C'est quoi ce bateau là? Ah, c'est une barque maintenant. Alors là, en revanche, il y a les 15 000 hommes de la Crimée qui se ramènent. Ça m'arrange vraiment pas pour être honnête. Ils vont où? Bon, ils vont chez le Mamelouk. Ok, tu défais le siège. Bon, peu importe. Défais, amuse-toi. Je peux savoir pourquoi les barques. Ah oui, c'est les bateaux que j'ai capturés, ok. Je comprends. Bien! Ce serait une bonne idée que vous les tuez. Je vais en profiter. La 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 la, je suis un ninja. Coucou, je suis un ninja. Ouais, ouais. Voilà. Tu vas où? Kutaya, t'es mort. Voilà, je t'ai le ninja. Nananer. Trop bon. Trop bon quoi. Bon, je termine l'ottoman là et puis voilà. Allez, je rentre chez moi. Et puis en rentrant chez moi, je vais voir un petit peu ce qu'on peut faire comme œuvre de paix. Alors, ah si, je peux. Bah voilà. 92%. Bon, ben on va attendre. Commence à en avoir un petit peu marre des révoltes là. Allez vous faire eux, s'il vous plaît. Ils sont payés par qui? Par personne, ok, en plus. Allez, va te revoir la Crimée. Tu demandes que tu sois mis à 92%. En revanche, j'ai plus beaucoup, j'ai quasiment plus personne dans mes régiments, c'est quand même pas bon. Hein. Les 10 000 là, je me les fais pas. Hein. Avec personne dans mes régiments, c'est mort. Albanie, il y avait 2,4% de chance de me taper une révolte. Super. Tu le mets vite à 92, s'il te plaît, parce que là... Si on redéfait le siège, je vais plus pouvoir le vassaliser.
Je pourrais resserrer les régiments et puis. Ah, bah bien la Pologne, viens m'aider s'il te plaît. Voilà, gère mes révoltes. Ah, merci. C'est très agréable. Bon, vous voyez, en Autriche. Comme ça, je m'en moque, il va se débrouiller avec, hein. C'est des Ottomans. Apparemment, ils ont pas trop envie d'aller s'en occuper, hein. Cent pour cent, allez hop. J'ai vassalisé l'Empire ottoman, ça c'est drôle. Et j'ai des nouvelles unités militaires en plus, parfait. Parfait. Qu'est-ce que c'est cool de leur vassaliser? Yes! Le Karaman et Dulkadir, ils sont prenables, ils sont alliés à lui là. Donc je pense qu'ils sont vassalisables aussi assez rapidement. Ce serait pas mal de repartir à trois vassaux. Ah, ils ont la bonne idée de se diviser. Et il y en a un qui a été à Venise, peut-être qu'il va vouloir attaquer du coup. Faut pas que j'oublie qu'il y a les 18 000 en bas aussi, hein. Alors je sais que j'ai de l'argent, mais je le garde pour l'instant. Parce qu'à mon avis, pour aller les chercher en bas, là, il va falloir que je vais pas avoir le choix. Faudra que je prenne des mercenaires. Voilà, bien. Plus d'alliance avec la Moscovie, peu importe. Ah, les Vénitiens s'en sont chargés et ils vont rater peut-être même. Peu importe. Et la Valaquie est intégrée, ça y est. C'est pas beau ça? Le protestantisme se répand. Bon, je m'en moque un petit peu, parce que de toute façon ils étaient catholiques cette région-là, donc peu importe. Donc c'est pour dire. Pisan, c'est gros. Hein. Regarde, on a une ligne droite, c'est une ligne droite là. Très intéressant. J'ai un casus belli contre Venise ou pas? Dommage, j'en ai pas. Parce que là, c'était le moment. C'était le très bon moment de leur faire la guerre.
Bon, du coup, j'ai plus trop de relations diplomatiques, donc ça, c'est cool. Parce que du coup, j'en ai plus que 2 sur 4. Donc ça veut dire que je peux vassaliser ces deux copains. Ici. Parce que bon, des alliances, j'en ai plus vraiment besoin. Hein. La Crimée, ne va plus vraiment être en danger pour moi. À la limite, si, ce serait pas mal que je garde, continue à garder la Pologne, parce que c'est un gros allié pour ici. Donc ça, c'est important de la garder. Je vais même améliorer, continuer d'améliorer mes relations un peu avec eux. D'ailleurs, la Hongrie me kiffe, hein. Parfait. J'ai pas trop envie de faire une alliance, mais c'est bien. Bien, le siège de Ragus est terminé. Yes, c'est bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, j'irai pas aider l'Ottoman, hein, qu'il aille se faire voir. Ce que je vais faire, il va falloir que j'aille m'occuper de ceux qui sont en bas là. J'ai 18 cogs hein, seulement, donc. Puis j'ai surtout combien de régiments? Voilà, j'ai 37 régiments. Et il faut 14 000 hommes. Et je renforce 532, 552 chaque mois. Donc il faut savoir que je vais certainement faire un bâtiment. Enfin, des bâtiments. Alors, impôt plus 1. On va le faire ici. Chypre. Je fais là où c'est le plus en fait à chaque fois. Alors les impôts. Plus 20%, plus 120, plus 120, plus 120, plus 120. Bon, je le ferai à Chypre plus tard. Armurerie, je vais en faire une à Edirne. Est-ce qu'il y a un bâtiment que je peux faire à Constantinople qu'il n'y a pas encore? Non. Et marché, bon, je ne vais pas en faire un tout de suite. Je vais voir parce qu'à Chypre, il y a l'air d'y avoir de belles possibilités. Et pourquoi pas de faire des bâtiments de niveau 2 à leur terrain d'entraînement. Pourquoi pas la forteresse en étoile ou alors bien produit plus de 20% à Constantinople, ça pourrait être très bien. Mais bon, à Constantinople, je vous avoue que j'ai très envie d'une forteresse en étoile. Ah, mais il y en a déjà une. Ah bon, bah, alors il n'y a pas besoin. Voilà, elle est bien produite. Je pense que c'est pas mal. Bah mince, je viens de dépenser de l'argent. Bon, je vais perdre les 10 en prestige, tant pis. J'ai pas envie de faire un prêt. Ok, alors, vous. Le problème, c'est que je peux pas fabriquer de revendications sur ça. Et ouais, il aurait fallu que je prenne Ankara. Ça, c'était un bad move. Bad move, voilà, j'aurais pris Ankara, j'aurais pu faire une revendication sur ces deux territoires-là. Donc ça, c'est pas bien de ma part. C'est pas bien du tout. Mais je veux pas prendre ça. Laisse-moi tranquille. Alors les risques de révolte, ça va, il y en a presque plus. Et ici, on peut pas. Un missionnaire servira à rien. Bon, d'accord. J'essaye de voir ce que je peux faire en fait. Alors, je peux faire la guerre aux Mamelouks. Mais il est allié à Maroc Tripolitaine, ça c'est pas un problème. Combien il a d'hommes le Mamelouk? Armée. Total. Il a 45 000 hommes. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc autant dire que c'est pas possible de lui faire la guerre. En plus, lui, il peut tout passer par les terres. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, c'est un peu délicat. Il y a la Crimée à qui je peux faire la guerre. Mais alors, le truc, c'est que c'est pareil. Hein. C'est moins 38, c'est pas génial. Oh, le Trébizond, c'est une. J'ai une revendication dessus, en fait. Je devrais faire plus attention à mes revendications. Regardez-moi ça. J'ai une revendication contre Ottoman, j'ai une conquête, mais ça peu importe. Et j'ai surtout une conquête contre Trébizond.
Et ça peut être pas mal de prendre ce territoire-là. Surtout qu'ils soient orthodoxes en plus. Avant que quelqu'un s'en occupe, hein. Bah écoutez. Je vais pas leur offrir la vassalisation, déjà parce qu'ils sont inféodés, donc c'est pas possible. Mais de deux, je vais pas le faire parce que de toute façon j'ai une revendication, donc ça me coûtera rien, elle est déjà revendiquée, donc y a pas de problème. Ils sont alliés à la Horde d'Or. C'est les sujets de Akkuyuna qui les protégera. Oh, relou. Bon, bah, je vais pas le faire alors. Du moins, pas avant d'avoir retrouvé tous mes hommes. Il me faudrait un casus belli. Alors, dans ce cas-là, je peux essayer de fabriquer un casus belli sur Venise. Ça peut être intéressant. Ouais, j'ai qu'une techno. Ils ont qu'une technologie d'avance, Venise. Donc, si j'ai pas d'intérêt à m'occidentaliser tout de suite. Bah, je vais fabriquer une revendication sur Venise. Hein. Sur la Dalmatie. Surtout que je les fabrique beaucoup plus vite, donc c'est pas trop un problème. Et Venise, ils ont pas des alliances de dingue, donc Jeanne et Savoie, peu importe. Ça peut être pas mal d'aller les défoncer. Mais pas tout de suite, d'abord je laisse mes troupes aller mieux. Je veux juste avoir la revendication. C'est pareil, la Crimée, je peux pas faire. Ah si, je peux falsifier une revendication sur l'Abkhazie. Sur la Mingrélie. C'est des provinces que je peux légitimement revendiquer. Ah, c'est parce que je suis sur la mer Noire orientale à Castamonu, je pense. Pas mal. Je peux. Je suis trop bête. Je viens de penser à quelque chose. Eh oui. Je peux pas les annexer. Je peux pas les annexer. Je fais un gros boulet. Enfin, je peux pas les vassaliser. Enfin, ça sert à rien, ils sont pas du même groupe religieux que moi. Oh, le Cassos! Alors, ça, c'est idiot. Bah, il suffit que je rompe la vassalisation. La trêve, elle est jusqu'à quand avec le temps? 1517? Ok, donc dès la fin de la trêve, bah j'annule la vassalisation, je lui déclare la guerre. Y'a pas le choix. J'ai complètement pas pensé. Vous êtes certainement en train de vous dire oh là là, le noob et tout. Du coup, ça sert à rien que je garde par ailleurs ce mec-là. On va essayer de regagner de l'argent. Tant qu'à faire. Effectivement, là, c'est noob style, hein. Le général est mort. Eh ben, je reprends. C'est pas grave. Voilà. Oh, le noob, je vous jure. C'est dingue. Ah là là, j'ai fait mon noob, mais vraiment mon gros noob. Oh oui. Bon, je me sais pas grave, hein, parce qu'à la limite, c'est pas trop grave que ce soit mon vassal, parce que du coup, l'Ottoman lui déclare pas la guerre. C'est à la limite, c'est l'avantage. C'est l'avantage, c'est pas complètement noob de ma part. Du coup, l'Ottoman lui. Enfin, c'est un peu pas voulu quoi. Comme ça, l'Ottoman lui déclare. Le Mamelouk lui déclare pas la guerre, moi je suis safe. Et puis, comme ça, quand j'ai envie de lui tomber dessus, je lui tombe dessus quoi. Juste, laissez-moi voir quelque chose. Ouais, eux ils vont bientôt vouloir. Être libres. C'est relou. Bah écoutez, moi je vais arrêter ma session là-dessus, donc prochaine session, on. On récupère Rod, enfin, là, on va arrêter de faire des bêtises. On récupère Rod et on va peut-être essayer d'envoyer un mec. Ensuite, on récupère la Dalmatie. Et ensuite, on défonce l'Ottoman. Voilà, comme ça, y a pas de problème. Y a pas de problème, y a pas de problème. Et puis, on se met bien. On récupère la Dalmatie, ça peut vraiment être très très bien. Voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser un petit commentaire. C'est normal que je fasse quelques petites erreurs. C'est pas des erreurs très très graves, ma foi. C'est pas non plus la mort. Mais au final, ça change rien. Ça change quasiment rien. En tout cas, merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.